Salut, on vous présente aujourd'hui la gamme de climatisation Sensira, la gamme standard de chez Daikin. C'est une gamme qui est fabriquée en République tchèque ou en Turquie. Le constructeur offre 3 ans de garantie sur les pièces et 3 ans de garantie sur le moteur. Elle est déclinée en 7 puissances, de la taille 20 à la taille 71. Vous retrouverez donc la taille 20 à la taille 42, un petit gabarit d'unité intérieure et un petit gabarit d'unité extérieure, et de la taille 50 à la taille 71, un gabarit un peu plus imposant. Attention au gabarit des unités extérieures et des unités intérieures de la taille 50 à la taille 71. Au niveau des décibels et au niveau de l'encombrement, elles sont tout de même un peu moins adaptées aux résidentiels. C'est la gamme la plus standard de chez Daikin. Elle offre donc les fonctions principales qui sont nécessaires pour chauffer ou pour climatiser une pièce. Vous retrouvez aussi le mode confort qui va permettre au climatiseur de souffler l'air chaud au sol et l'air froid au plafond pour éviter toute personne qui serait dans la pièce. On a aussi la possibilité d'ajouter en option la Wi-Fi. Il faudra donc démonter l'appareil et ajouter le boîtier Wi-Fi avec son connecteur directement sur la carte électronique. Vis-à-vis des caractéristiques techniques en chauffage, on a tout de même un scope suffisamment bon pour aller chercher les certificats d'économie d'énergie sur la taille 20 jusqu'à la taille 60. La taille 71 n'est pas éligible. Seul petit point à bien contrôler, les puissances de chauffage à moins 10 si vous souhaitez utiliser l'appareil comme chauffage principal. En gros, on vous conseille cet appareil si vous voulez juste climatiser et chauffer en appoint. Si vous voulez utiliser cet appareil comme système de chauffage principal, on vous conseille de passer sur la gamme au-dessus. On apprécie tout de même le prix sur cet appareil qui est tout à fait abordable. On vous met en description le lien de notre site web sur lequel on a répertorié les fiches techniques et un peu plus d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo.